Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Comme annoncé, nous avons avec nous ce matin le professeur Michel Souka. Et le prétexte de l'émission de ce matin, c'est la présentation du roman de Maurice Casséus, Mambo. Bonjour, bonjour. Bonjour, comment vous allez, madame? Ah bien, c'est patient. La patience, c'est un fruit. Nous, les racines sont amères, mais dans l'esprit, sont doux. Mm-hmm. Alors, bonjour, Endel, et bonjour à tout le monde qui a regardé, qui a regardé le tout près. Effectivement, matin, nous allons essayer de réparer une grande injustice dans l'histoire de la littérature haïtienne, parce que Mambo de Maurice Casséus, tout précisément, c'est un conte, c'est un récit qui basé sur des faits imaginaires, des faits merveilleux, des faits réalistes. Maurice Casséus, publié comme ça en 1950, mais il était fini par déjà en 1949. Mm-hmm. Et là, il était fini pour lui, il était soumettre, parce que c'était mon but d'éducation civique. Mm-hmm. Il était soumettre lui, bah, à l'époque, le ministre de l'Éducation nationale sous le gouvernement de Marcel Timbé. Mm-hmm. Ministère, c'était M. Antonio Vieux, qui va disparaître son dimanche. François Duvalier, qui a proposé nous. Monsieur Antonio Vieux parlait de ça avec le président Estimé, qui m'a dit le format en commission, composé de M. le maire de Nuit, Seigneur Bernard Haute, pour analyser tout ça. Et là, en train d'analyser tout ça, ils ont présenté un rapport de lecture et d'analyse, que nous publions d'ailleurs, ensemble avec Testa, ensemble avec Comment. Que ton aiguille dit, non seulement c'est un ouvrage à lire, mais par qualité stylée, par message qu'il véhicule, il faut que tout le monde haïtien qui l'école parle de ça. Mm-hmm. Il faut le mettre dans la main, si vous voulez, parce que son livre qui comprend une portée d'éducation civique. Pour ça, c'est d'éliminer obligation que vous faites qu'on a tout le monde à lire des bagages qui passent de l'autre côté. Pas forcément, mais cependant, parce que parmi les pensées ici, c'est moi, c'est moi, c'est mon monde. Mm-hmm. Donc, il faut au courant de valeurs universelles. Mais comme Haïti, haïtien, il faut qu'il connaisse la caille, il faut le compte culture. Alors, justement, lors pour un titre roman, ou alors les Mambo, immédiatement, ça dit la mort. Ces femmes qui initiaient dans vos doux et qui brûlaient les autres. Mais avant d'arriver là, pour nous comprendre le roman, d'abord, on nous faut-il parler de Maurice Casséus. Qui était-il? Maurice Casséus, c'est un monde qui s'est étudié, c'est un Gonzague, c'est un monde qui fait une carrière diplomatique, c'est un monde qui était traducteur et interprète au ministère des Affaires étrangères. Il s'était représenté à Haïti comme le consul général à New York, ça faisait l'affaire en Angleterre, côté de Paul Mouy d'ailleurs, en 1963. Et son monde qui était adonné au sens occulte. C'est-à-dire son monde qui était corrompu dans les ésotérismes. Mm-hmm. Et d'après ça, quelques manières, il y a un monde qui était toujours méconnu, qui dit une position sonnée qui était toujours dit que vos esprits ne peuvent pas l'arrêter. C'est un esprit qui était capable. C'est l'esprit de quelqu'un qui a habité la terre d'Haïti depuis des siècles. Que ce soit un ancien esclave africain, que ce soit un ancien caïdo. Et Maurice Casséus, c'est le premier monde qui a écrit le premier roman prolétarien de la littérature haïtienne, sans doute, que les vieux, qui est publié avant Mambo, et qui racontait l'histoire d'un monde qui t'a coupé comme une Cuba et qui tournait en Haïti, un roman sur les Mario, et nous fait évoluer dans les quartiers populaires pour Port-au-Prince. Sur ce point, on est capable de dire que c'est vrai, c'est sans doute le premier auteur de roman prolétarien haïtien, mais monsieur
continuer tout pour capable dire Frédéric Masselin. Parce que Frédéric Masselin, dans le roman Le Marie-Lise, c'est ce monde-là tout qu'il décrit, avec comme personnage central, ce que Tadjian fait avant dans la littérature haïtienne. C'est pourquoi, pour certains mondes, Frédéric Masselin, c'est l'auteur du premier roman féministe de la Caraïbe. Donc, au vieux, que c'est Jean-Paul Mas qui était publié, Géodon, c'était une sorte de roman poème à caractère politique. Mais Mambo, c'est un roman qui, dans la droite ligne, de courant ça a qui te prend naissance en résistance culturelle à l'occupation américaine, qui est l'indigénisme. L'indigénisme qui ont mis en valeur les valeurs de la. Ont mis en valeur des valeurs de la paysannerie, ils sont capables comme ça, du monde rural, de l'héritage africain, et Cassius inscrit dans les recommandations que Brasmas te baille, et ce n'est pas étonnant que c'est Brasmas qui peut s'asseoir pour mieux au monde. Mambo a donc ce qui nous mieux, ce qui s'arrive. C'est l'histoire d'un jeune paysan, Simon, qui parcourt la plupart des jeunes paysans, par exemple, des occasions pour aller à l'école. Mais qui lui-même, grâce à don que il gagne, et peut-être que c'est une prémonition, le papa, la maman, qui est prénommé le Mambo, qui est au nom d'initié, grâce à disposition particulière, il se montre quand il est en contact avec la nature. Ça veut dire qu'il interprète le mouvement des nuages. Et à travers le mouvement des nuages, il y a toute histoire qui a été déroulée dans ce ciel. Il y a un nom pour nous. Il y a Taino, il y a Christophe Colomb, il y a la traite des nègres, il y a l'esclavage, il y a la guerre d'indépendance, il y a tout le mouvement des nuages. Et il dialogue bientôt avec Bot. Il dialogue avec. Ça fait rappeler moins et La Fontaine. Il rappelle La Fontaine, mais en même temps, tout comme La Fontaine dédie. Je me sers des animaux pour instruire les hommes, mais en même temps tout, lui rappeler Mambo, lui rappeler Saint-Exupéry, le petit prince de Saint-Exupéry. Ça veut dire que, pas oublier quand même que le petit prince sort en 1943, c'est après que Maurice Cassis, qui est un stylite, a parlé pour Mambo, peut-être que le petit prince a influencé, parce que vous trouvez même écriture ça, qui est très douce. Mais on retrouve tout en souci philosophique. Parce que M. Guédel, le son de la vie à Klamba, le Mambo a parlé, le Bétou a parlé, parce que Bétou a fait ce son Mambo. Il boit pour ce seul. Vous comprenez? Les bœufs la parlent avec elle, Cabrit la parlent avec elle, Coq la parlent avec lui. Vous comprenez? Oui, c'est ça, Siméon, Timothée, il boit, etc. Qui peut se faire. Frisea, non? Oui, Frisea. Donc, et en même temps, tout, ils ont mené vers, au cas de brûler, ils ont mené la croyance, moment de l'eau. Ils ont mené une source, côté Albouet, et maîtresse source là, Aïda Wedo, entrer en communication avec eux, et puis ils mènent tout, la sensibilisation. Tout bien, jusqu'à présent, a bien passé. Mais il arrive que, la première partie, ça, au capable de dire, qui est idyllique, qui est magnifique, nuages en palais, bêtes en palais, les paysans plantés, les paysans récoltés, c'est le domaine du palais. Dans la campagne, les compagnies américaines qui voulaient planter caoutchouc, là, M. le président, c'était l'UNESCO, venu. Et vous commencez avec l'autorisation de l'État haïtien, déposséder les paysans, là ben, où il y a des dommages, il n'y a pas de dommages, vrai, donc il y a perdu. Or, j'appelle ça qu'à ce que expliqué dans le roman, vos conditions, la terre d'Haïti, explique notre terre passée avec Haïti. Ce n'est pas comme ça que nous avons ça. Tessa, c'était pour les Indiens, pas nous. Tessa, des gens qui mourent pour nous avoir l'indépendance là, qui nous mettent pour nous. Ce n'est pas trahir.
faut pas quitter l'autre monde qui t'a mouillé pour avec nous. Faut que nous pillions richesse, nous prions pour ça. Je nous permets ça, à ce moment-là, la nature, tôt ou tard, a porté en révolte. Et la détruit tout bas. Donc, ça crée. Il dit que, et c'est là qu'Athéus, monsieur Banois, vêtissement, monsieur montre que, soit ça étrangère pas venu à gros bottes, il va venir à Sam, il va venir à bâton, il venit avec la persuasion, la douceur. Étrangère, ce n'est pas général Waller encore, ce n'est pas major, mais de Butler encore. Qui lui dit aux armes aux paysans, pour forcer au fait courir, pour croiser les carrefours, pour faire cachaber, pour exterminer les résistants haïtiens. Non. Soit ça, il est venu sous forme d'une femme qui est Madame Gabi, avec petite lit, quatre mambo, quatre diosil, quatre mouillés pour aller le plus bien, quatre balles, manger pommes que le pageant manger, qui de bon goût. Quatre balles sapates pour mettre un pied, elle n'est pas jamais d'occasion, des sapates. Et puis là, ça, la pralile, c'est. Et puis, quand il y a là, la prenome, la détruiculture, ni au sens propre, ni au sens matériel du mot, la propre pays en un mot. Et moi, pour le moment, je n'ai pas remarqué ça. Je n'ai pas remarqué que de plus en plus, je n'ai pas lu sa capacité dans ce monde encore. Il n'a pas remarqué que la négligé Bétio. Mais Bétio sentit ça. Nature a senti ça. Que Madame Gabi a vaillé maintenant. Et c'est bien. Et c'est par la douceur. Lidou la pédo, lidou la pacifico, lidou l'hypothé pour nous. Et quand même, montre la prière Jésus, Batman, comme bon brin que Jésus vient sauver. Et puis pendant ce temps, la boire. Et puis vous-même, qui n'a jamais médecine. Qui n'a jamais mangé de pommes, ou pour que non, moi, aller. Vous laissez aller. Et le résultat, c'est que, vivons-le, je n'y meurs. La nature fait le point à Mambo. Il dit, mais Mambo, où trahis ses noms, où trahis pays, où trahis terre, où trahis héritage, je ne sais plus. Ou pas remarquer qu'on ne peut pas mettre de l'eau encore, ou pas remarquer qu'on ne peut pas parler à celle-là encore, ou pas remarquer qu'on ne peut pas parler à la nature encore. Ou pas aller à pied boire encore. Toute la journée, ou en bas de jupe pendant Gabi. Même Gabi a passé maintenant tête, ou en joue à petit pendant Gabi. Ça veut dire d'autres termes. On dit ou pas anti-haïtienne encore. Ou pas m'en beau encore. Ou pas m'en beau encore. Tout ça, nous avons mis, tout aller. La plaide pour dire non, c'est pas vrai, c'est pas trahi, c'est toujours même genre. Il dit, mais dans les faits, c'est pas ça lié. Ou pas avec nous encore. C'est qu'un blanc à courrier. Et puis, même vent qui te compte pas là, Mambo, pour elle dire, nous pour elle payer ça, il dit, même maîtresse du roi, ou parle pas là, mon corps. Et puis, quand il y a là, c'est ça que c'est. Si tu arrives là, Mambo, ou la revanche des collines, quand il y a là, la nature, par exemple, en colère, la nature, par exemple, en révolte, et puis la nature, par exemple, dévasté. Il peut dévaster niche de caoutchouc, qui est comparé à l'américain de Batmété. Il peut dévaster toute classe bagarre qui était été pour paysans. Il peut dévaster tout ça qui est venu vendre parce que nous ingrats nous prêtons. Tout ça qui est au banni, tout héritage que nous bannons, nous parlons de fidélité. Nous vendons. L'on lit un texte comme ça, où est son parabole tout de même? Son parabole politique, Jean a été expliqué dans la préface, dans cette présentation, je veux dire. Bien avant des économistes des années 50, des années 60, Maurice Cathéus se mettait nous en garde contre cette forme de soi-disant aide qui en fait son aide à la recolonisation. Les dis-nous attention, soit ça, impérialisme a avancé masqué.
Le pape Vini, je l'ai convenu en 1915 en 1915 encore. C'est comme un empoisonné. La Vini, son cadeau empoisonné. La Vini, il faut comprendre que la Vini fait bien pour. La Vini, Calso, la Pandioso, la Mouillot pour Valo, puis bien. Et le ça, on va prendre compte. Quelle est l'avancée à Calso? C'est comme tout le monde. Mais de l'avancée à l'hypocrite, de l'avancée masquée, de l'avancée en ami d'Haïti, et au moment où c'est déjà tout maillot. Et l'État, il est plus dangereux. Plus dangereux pour découvrir, plus dangereux pour combattre. Parce que l'État. Et plus dangereux pour s'occuper de tout. Parce que l'État. Pourtant. Vous pensez que l'autre monde parle, ou qu'il y a tombé dans la même pièce de la mambo, qu'il y a deux meilleurs pour dire Jésus, pour moi. Il y a pour l'argent. Il y a pas de côté, il y a pas de santé, côté de la santé, il y a pas de l'école, côté de l'école. C'est ça qui est là. C'est que c'est vrai. Il y a contrôlé l'État, comme ça tout. Il y a dit aux politiciens, il y a allé aussi, il y a corrompu. Et puis il a fini petit à petit, il y a allé payer. Il faut profiter de trop du Dieu, de s'augmenter. Voilà. Parce que il a tiré le son de ce qui est passé en 1915-1934. Je t'ai vu du tout à clair, je t'ai vu du tout mental. Et c'est ça qui a créé tout problème qui a été mis, résistance paysanne, résistance marville, etc. Qu'on y a là, il y a eu une logique. Donc, en 1949, le Moïse Kassé se pose avec ça, il a fait mon image vraiment à professeur Léon Fossoffman. Parce que Léon Hoffman, c'est lui-même qui nous a découvert comme ça. Il y a de longues années ça, on a fait recherche dans la bibliothèque sur le bon Zabla, et puis il était là. Et Hoffman, nous, en 2008, parce qu'il y a fait longtemps. Et puis, il me s'était dit, pourquoi est-ce que j'aime les beau de Maurice Kasséris? Il me dit, moi, j'aime les vieux, beaucoup les mambo. Il me dit, il faut aller. Lorsqu'il me dit, il me dit, il je me dis vraiment, je me suis pensé, je me dis, c'est merveilleux, mais c'est méchant chez d'être. Pas votre pays pour l'après qui va t'assurer, non, pour dire, il y a un corps qui se dit, elle ne sait pas parler de ça. Elle ne sait pas, je me l'ai dit, elle sait comment c'est gouverné de la hausse avec Jacques-Alexis Saint-Mambay. Donc, son seule publication de vos politiques. Son seule publication. Et, s'il vous plaît, même aller plus loin, Mambo, son parabole politique anti-impérialiste. Ça veut dire que. Est-ce que c'est le fait que Café ou Blanc, est-ce que c'était pour se protéger? Non. Parce que Blanc était déjà. Non, il s'est écrit de façon très simple pour tout le monde qui a fait. Parce que le message est clair. Pas voir quel message pour découvrir là. Les deux, faites attention à étrangers qui viennent avec bel cadeau, bel ceci, bel cela. Pour gérer le pouvoir, c'est pas même rien. C'est mourir la mouille pour valoir. De tirer le sang de ça qui est passé, nous répétons. Il va venir par la violence encore. Il vient dans l'autre gens pour valer tout le monde. Maintenant, Zafor, il ne faut pas comprendre. Puis qu'on a fait avec un étranger qui doit clair, mais ça le pense de où? Qu'on a fait un autre qui a beau bel souris, se considérer comme là, c'est pour pas le dentifrice, et puis il a fini qui a beau bol à collade pour le faire couteau en bas au public. Donc, moi-même, je me suis dit, mais c'est vraiment une histoire. Ouais, Jacques Alexis te dit, Jacques Roumain, c'est l'ambassadeur d'Haïti sur toute la terre. Parce que c'est vrai, Grenet d'Arrosé, c'est son chef-d'œuvre. Mais pour qui ça, Roumain, est devenu l'ambassadeur d'Haïti sur toute la terre? C'est parce que Roumain, qui a porté dans le Père national communiste, rendu compte non seulement de beauté de texte Grenet d'Arrosé, mais de qualité de messages, ça, qui sont messages de solidarité des travailleurs qui ont changé la vie. Donc, message-là, international communiste, qui est ouais, en quoi qu'il était capable de tirer l'idéologie. Donc, il est interagi en 17 langues. Mais Moïse Kasséris, premièrement, pas de faire partie de quelle raison internationale. Et deuxièmement, combien plus merveilleux. Mais au moment, peut-être qu'à l'époque du réaliste ou socialiste, peut-être que M.
international communiste, était capable de s'apprécier net et critique à ces listes-là. Mais en termes de message politique, c'est un message qui leur est convenu. Et si Kasséis peut-être qui a appartenu à un réseau comme ça, peut-être que tout ça, peut-être que tu as le même destin avec vous venez d'arriver. Parce que Jean-François Hoffmann dit avec raison, dans le livre LIA, Idéologie Structure du Roman Haïtien, il m'a rappelé que François Hoffmann était professeur Princeton University, spécialiste de littérature francophone de Caraïbes. Il est scandaleux qu'un roman comme ça, son grande publication, parce que son chef-d'œuvre qu'il dit. Alors, on peut commencer les livres-là. Le même bagage qui est retenu en question, c'est que Maurice Kasséis, c'est de 1909 à 1963. Oui, c'est relativement jeune. Ça veut dire tout que c'est un monde qui vit l'occupation américaine. Il a, c'est-à-dire que l'Américain, qui a 6 ans, l'Américain a 25 ans. Ça veut dire tout en France, adolescence, passer dans la période d'occupation. Établi donc, Jean-Doula, monsieur vive en bas influence courante et populiste. Il voulait revaloriser les valeurs profondes du peuple haïtien, essentiellement paysan. Les valeurs orchestrales, les valeurs africaines. Donc, monsieur produit justement, non seulement comme ça, c'est exactement le type du roman indigéniste. Parce que, pas bien quand même, indigéniste, pas pour Haïti seulement, hein. Les indigénistes sont sortis de toute l'Amérique latine. En Amérique latine, des pays comme le Pérou, avec le secteur de Smaglia-Dédi, c'est même bagarre. C'est une remise en valeur des valeurs paysannes. Mais eux-mêmes sont paysannes foncièrement Maya, Inca, etc. Vous savez, les Amérindiens. La Taino, valeur paysanne, c'est l'héritage africain. Donc, c'est même démarche-là que ni indigéniste latino-américain, avec Maria Tegui, Aya de la Torre, fait que j'en prête marche, parce que c'est dans le même période-là, années 1910-1920. Face à quoi? Face à toute manœuvre d'un pays social fait pour retirer nom nous, pour retirer culture, pour être capable de dominer nos pouvoirs. Et l'on regarde le travail de Maria Tegui, c'est. Nous savons avec Jacques Roumain, sans écoute de goutte d'eau. À la seule différence, c'est que Roumain était romancé. Il y a Maurice le même genre. Et c'est de même époque à la côté de lui. Donc, Kasséis était dans la ligne de l'indigéniste. Parce que l'indigéniste n'est pas le bain de sens à tout le courant. Il n'est pas le bain de sens à au courant noiriste. Il n'est pas le bain de sens à courant marxiste. Mais tout l'aide de sortie de matrice en Isolissia, tout l'aide de reconnaître le travail de Jean-Paul Smas. Monsieur lui-même, il était fidèle à courant en Isolissia. Alors, ça veut dire, puisqu'il évoquait question impérialisme ou impérialisme hypocrite, à qui est-ce qu'il s'adresse les dirigeants? Monsieur, à moi, pensait que le gouvernement estimait avec juste. Il faut que toute l'école soit une haïtien l'élite. Bah, contenant que les La Fontaine, que les Saint-Exupéry, ce sont des valeurs universelles. Mais ça, nous pas capables, des bons haïtiens, en 1949, 1950, qui produisent un texte comme ça, et que je vous aujourd'hui à là, nous pas comprendre. Alors, nous pas comprendre ça. Vous trouvez que l'histoire est vraiment injuste. Oui, mais en plus de ça, ma chose est tournée. Pour que ça parle de suivi à des marches, parce que... Eh bien, ça, vous connaissez, ça c'est... Pas oublié quand même que le gouvernement estime, le rapport s'est sorti en 1949, le livre là finalement pour être sorti en 1950, estime pas le temps de l'huile de 1950. L'huile de 1950, il se tombait. Donc, ce qui veut dire que tout le monde connaît la lenteur et la difficulté de la bureaucratie en général. Donc, je suppose que c'est à cause de ça. Mais à l'époque, quand même, le roman est sorti avec des questions pour les enfants
qui vous faites que répondre des questions sur le texte, pour faire analyser le texte. Alors, Sandra Zoulan, c'est bien dommage, parce que mon secrétaire d'État, Antonio Rieu, qui écrit Maurice Cassis pour le bal impressionné sur demande qui était faite là. Oui, c'est ça. Donc, pourquoi il n'y a pas eu de suivi? Ah ben, c'est pourquoi. C'est à cause, peut-être à cause de ça. C'est parce que le gouvernement estimé n'a pas duré longtemps avant. Parce que l'IPAL tombe le 10 mai 1950. Mm. C'est une erreur gouvernement dans l'histoire du pays d'Haïti, malgré tout son monde qui a critiqué. En moins de 4 ans, il fait ça en paquet de gouvernement pas ni en 10 ans ni 14 ans. Mm-hmm. Il faut bien le reconnaître. Maintenant, votre séance est lancée. Votre séance est vendredi. Vendredi et samedi, à l'école Le Frère de Pétionville, et de 9h à 14h pendant ces deux jours, prière à ces 2000 gouttes et bien sûr, à bientôt, d'autres titres de la collection de textes trouvés qui sont disponibles. Très bien, donc deux jours, vendredi et samedi, type livre lancé Mambo, pour ne pas oublier, Mambo, et le Maurice Cassis. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier un bagage et tout. On a fait un mystique. Cassis, c'est un mystique. Oui, c'est un ésotériste. Parce que je te dis tout à l'heure que lui prétend qu'il y a une communication avec oui, des. Oui, des, bon, des... remarquez que ça ne parle pas ça parce que Victor Hugo te dit même pas là. Hein. Victor Hugo, le. Jean-André qu'on dit là, le plus grand écrivain de français, hélas, parce que lui produit un peu le texte Minato, mais il produit des textes indépassables, c'est évident. Là, c'est l'écriture. Victor Hugo te dit, le l'a écrit. Des fois, les sentiers tendaient, mais on voit qu'à parler. C'est qu'à dicter les anglais. Bon. Faut ne pas. Ça va au niveau même? Non. Faut ne pas. Oui, Maurice Cassis, je l'ai dit ça. Parce qu'il y a des mondes qui doutent que ça va arriver. À propos de question, ça va, j'en ai dit, M. Zouka? Non, ça va arriver. Non, mais merci d'un point de vue de plus en plus. Merci. Vous suivez, madame, sur la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Historien, M. Zouka est l'invité de ce matin. On reviendra peut-être pour parler de l'actualité, M. Zouka. À ta disposition. Voilà, à tout de suite, madame, monsieur, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point, et c'est Michel Foucault qui est avec nous ce matin. Évidemment, nous ne voulons pas parler d'actualité. C'est tellement de mariage, nous avons ensemble, nous sommes par exemple, qui est ce canal-là. Mais avant de ce qu'est ce canal-là, quand tu peux nous faire avec, parce que depuis lors, on va recevoir là, et le public la connaît, que c'est de temps en temps, ou ensemble avec nous sur le plateau. Moi, ouais, on fait une vidéo qui a circulé au cours du mois de juillet, je crois. Je vais pas aller en moi. Ok. Je vais montrer Michel Foucault qui avait un baleine dans la main qui descend dans le trou. Et évidemment, tout le monde connaît Michel Foucault comme un intellectuel. Et nous tous, on nous dit que ce n'est pas tout intellectuel qui croit dans une série de bagages, mais nous ne pouvons pas regarder à moi Michel Foucault. C'est ce qu'on se dit, c'est pas. C'est comme nous sommes regardés avec vous. Ça, Michel Foucault est perdu du pouvoir. Avec des explications. Sorel et Toua, c'est la fameuse grotte côté le plus grand leader paysan que le pays d'Haïti s'en produit à cacao. C'est là qu'il était réfugié avant qu'il ne puisse plus être lorsque l'armée de la guerre de l'eau était partie. Donc c'est une grotte. Oui, son porte qui mène. Non. Il faut comprendre une grotte, la porte là. En langue de français, c'est ça, il est un cul de basse. Ça veut dire que Gotha pas présent qui est aujourd'hui à une ouverture qui est devant, non. C'est un trou pour descendre. C'est-à-dire qu'il ne se voit pas de elle. Ok. Donc, on descend dans le toit, qu'on a l'horizon de notre toile ouvert en bateau. Et l'on poursuit qu'on a ces idées qu'on a l'horizon de son tacarelé. Bouge Gotha. On va ouvrir. Mais mon compte, l'on descend dans le Gotha. Les musiques de la donne, c'est noir la donne, se trouvent vraiment dans pile volonté pour explorer les gouttes.
Mais tu pourri de nos gouttes là, pour monter une mort. C'est bon, ben, c'est à là. Seul monde qui peut mettre nos mormons, c'est paysans en zone. Parce que paysans en zone, c'est descendants, bien souvent, des paysans qui étaient là lorsqu'en 1846, à Kaout et Tchoukèque, là. Et nous avons une chance que les paysans qui mènent mieux parmi lesquels nous, dames, qui étaient là, c'est une chose de vidéo par mon ami Tambleu, c'est un mambouillé, justement. Et ces descendants paysans, ça a quitté les pèlerins qui n'ont pas eu un carême, qui te mènent même dans le côté. L'on a mis les paysans, soit pour respecter la croyance, ça montre qu'on respecte. Quand il y a la lame, il y a un côté, à pas oublier. Ce n'est pas même n'importe qui vote, mais c'est vote non monde, ils ont les deux paysans, pas des moines. Deux mois, trois listes dans le pays, qui peut nous les attaquer, on parle de ça. Faut nous respecter. Faut montrer qu'on respecte. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Même Jean-Long, non, moi, je n'ai pas de vie catholique. Pourquoi peut-on dire ça? Pas vous dire, oh, mais ça va bien, on n'est pas dans les abris. Non. Ou je ne sais pas. Ou camper le monde contre vous, mettez un jeune homme en avant. Par respect. Et pas comme j'ai appris le monde qui pose une question, si nous avons mis le monde dans l'église catholique, c'est certain qu'on ne va pas faire tout parler de ça, ou bonne complexité. C'est parce que, en fait, donc, on dit, c'est pas. Moi-même, moi, penser le mot là avec baleine. Non, parce que c'est une invocation. Non, pas du tout. Son mal de respect, pas que de respect. Seulement, c'est pas. Non. Parce que, bon, mais qu'est-ce qu'il y a l'esprit en carocasse, par exemple? Qui est le mot de pouvoir là? Alors, pensez que Valéval Abondage a ici un fait dans le pays, ça. Si nos ancêtres morts tenaient pouvoir, moi je vais la couper pour toutes mes sœurs. Ah non, il y a de pouvoir jusqu'à ce moment. Ah, tu vois pas. Bon, donc si ce qu'on va faire, c'est non, l'espoir pour croyance de. Le Maléa m'a allé pour moi visiter exactement Gotla, pour moi, tous les lieux. Pour moi, ça a fait tout, parce que son haut lieu de l'histoire de ce pays, donc son haut lieu touristique. Donc, il porte. Ça, c'est plus. Pour entrer la donne. Pas des égouts. Mais bon, on va créer notre pouvoir ou descendre notre pouvoir. Mais bon, l'autre ouverture. Non, c'est l'autre qui a créé notre pouvoir. C'est l'autre qui a créé notre pouvoir. Ou descendre notre égout là. Pour faire attention à toute niche guette qui donne là. Ou pour ce qu'on a là où tombe, on sort à carrer les boules égouts là. Les gros bouches là. L'autre bouche. Ça veut dire bon, l'autre sortie, bon sortie. Bon, l'autre sortie. Bon sortie, ça veut dire que vous bon sortie. Quand il y a une ligne, mais baleine, hein? La croyance, il faut donner la croyance monde pour respecter le même milieu. Ça veut dire que vous monde qui tue tête là, monde qui tue tête là, loin de chemin. Parce que c'est un suicide, c'est pas n'importe quel mort. Vous comprenez? Et quelle que soit religion, suicide, il n'y a pas well, même si j'ai un commande qui mourit, quel que soit le sujet, pour la raison pour laquelle il est tué. Et au fond, c'est l'homme qui finit mes baleines. Et tout le monde doit continuer à l'aise. Et je commence à parler, je commence à mon histoire. À un point tel que dame qui t'a jeune, non. Nous mettons de l'attendre à en lire, c'est ça? Non, pas forcément. À un point tel, dame qui t'a jeune, non. C'est qu'on a la bine que c'est 10 points d'être humain. Les ancêtres qui étaient cachés à Kao, l'abdine de ces mambolios. Et lui-même abdine qui a Kao tout dans l'esprit, il dit pour ça, il dit c'est parce que l'aile est enceinte, il est en bas de sang. Et puis le rêve, il y a un monde qui dit qu'elle couche devant Gotla. Elle voulait chercher de l'eau dans quel souci par un Gotla, ben il y a de l'eau. Pour après ça, qu'a pris. Je me dis, mais ça pise, et puis moi, que mon jeune garçon, je me dis, mais petit là. Je dis, donc, aussi, que ça caoute pas la voix. Je dis, moi, je dis, ça caoute pas la voix. Je dis, mais c'est. Oui, mais c'est pas qu'on a caoute avant. Non, esprit a dit, esprit a dit. Esprit a dit ça. Bon, écoutez, où est bagage ça, yo? Ou pas discuter à mon croyance. Bon, tu fais qui demande au poulet, côté Gotha, yo, même. Gotha, il y a un monde qui est monde joli. C'est un monde qui domine dans sa vie. Il faut un bon marché pour y aller.
faut marcher sur terrain plat, et vous autorisez qu'on y a fort un bon mot. Ça veut dire que si tu es gagné, il y a l'État qui est moyen en même, qui est soucié de politique touristique à partir de l'histoire paysan, ou tu es capable d'un escalier. Par exemple, pour faire le bon escalier, il y a pas de 500 marches, pour monter. Ou tu es capable d'un escalier qui mène dans le avec des guides qui ont expliqué le monde, mais ça peut passer là. Parce que c'est un lieu historique. Je ne sais pas si vous avez n'importe quel monde. Où qu'on est? Juste au Brésil, je parle de nous. D'accord. Et dans le mouvement santé brésilien, vous revendiquez à Caro comme une ancienne théorie dans les paysages, en Amérique latine. D'accord. Bon, ok. Que Bougno et ce sont parlé. Donc, ce n'est pas magie que tu as fait, ce n'est pas des esprits, ce n'est pas des forces que tu as fait non plus. Si tu as fait des balles dans l'église catholique, tu vas t'en pas oublier. Monsieur, absolument, on continue sur le canal là-bas. Oui. Vous pensez que ça vaut la peine, cette solidarité? Oh, mais bien sûr, haïtien. Comme je vois le monde. Je ne vais pas dire qu'il y a aucun débat sur les questions juridiques, sur les questions techniques. Ce n'est pas une question. L'homme est un peuple qui est livré à lui-même. L'homme est un peuple qui est dans l'état quant à lui, le cap de Dieu, le cap de sa naturelle. C'est droit, oui, pour que cela arrive, tout le monde. C'est droit. Vous connaissez, j'ai toujours remarqué dans l'histoire ici, de vous tendre la loi. Bon pour l'État, la briquet. Mais là, le bon, Thomas Paine, il a dit. Il va appliquer, non? Non, il va appliquer. Maintenant, pile exemple à vous. Côté moto, que Bagasa, il y a été quand même comme trace dans l'histoire, dans les mois, même si le bois, c'est son peuple qui va aimer moi. Pas forcément. Combien de fois comme ça? Les trois, il y a un massacre, on passe à l'histoire. Qui était passé justement par le massacre dans le Nord-Est. Ça, l'État, il s'était fait pour défendre l'île. Dites-moi comment on était là. L'État, il était à débrouiller dans le Cobla. Il est du Cobla. Ça, Cobla fait bon bon travail. Pas de sens. Comme l'État, pour te défendre l'île, tu dois faire appliquer la loi. Pas du côté dominicain que du côté haïtien. Non, mais c'était bon, l'État depuis lors, parce que tu n'as pas même fait même. Non, mais c'est parce qu'au départ, ni l'État dominicain, ni l'État haïtien, pas soucieux de son paysan haïtien, pas soucieux de son travail haïtien. Non. Et la menace de. Maintenant, deuxième bagage, madame, vous avez toujours. Vous connaissez l'UNESCO, c'est comme le président haïtien qui te dit, pour aller se traverser toute dominicaine, l'embouchage pour aller couper quand il faut un bon contrat. Avant ça, avant l'UNESCO, pas bien ça. Et pourtant, elle s'est pas coupée comme Cuba, pas coupée comme République dominicaine depuis les années 1910. L'UNESCO dit son bon contrat. Puis il lui a dit, pas un problème, parce que le besoin, le monde qui peut couper comme le central romana, en bonne côté. Mais tout le monde s'en fout, parce qu'il connaît le bois des bananes, qui s'est dit bois comme bois des bananes, il connaît que le paquet gros potentat dans le gouvernement américain qui est associé au central Sahara. Il connaît. Tout ça, l'UNESCO doué, ni lui-même, ni américain. Donc, il dit, ben, vous avez signé le contrat, et puis il ne va pas respecter. Mais ça, quand il y a le saisi, le lieu va respecter, là, l'UNESCO coupe le contrat. Le monde parle coupé comme moi. Quand il y a ça, français. Américain, métal, tout le monde, il y a choqué l'UNESCO. Donc, ça veut dire, les lois contre ça, c'est bon pour travailler haïtien. Paysan, il n'y a pas avec elle. Il y a chez elle. Et puis, on a parlé toujours que oui, vous savez, cette histoire du canal, je ne respecte pas la loi, ça n'est pas la norme technique, mais contre l'État ici. Moi, pour l'autre exemple, avant encore. Vous savez, la mise en application d'une 19 20 ans dans cette fameuse histoire, à l'époque, on a été embauchage. Embauchage, c'est l'autre, on dit, l'État dominicain met à l'État haïtien, il bat l'État haïtien d'un million de dollars pour que l'armée d'Haïti embaucher des paysans haïtiens pour couper quand même. Je vais faire des bouquins, je vais faire des bouquins. L'on a fait ces bagages-là. C'est véritable, très bien l'aider. C'est véritable, c'est pas haïtien. L'on garde pour propre haïtien pareil, ou après marier haïtien pareil, comme à Konkabrit,
a vendu presque comme esclave ben l'État dominicain. Et à l'époque, chaque année, 5-7 millions de dollars viennent de l'État haïtien comme l'habitude de départ. Et pourtant, toutes les conventions des droits de l'homme, des droits du travail, ont condamné ça. Je ne sais pas plus que le seul. Jamais. Les deux États, ils ont tant mieux sous deux travailleurs haïtiens. Je vais prendre un exemple privé. L'autre jour, là, quand haïtien a couché en République dominicaine, la loi dominicaine dit c'est le droit du sol de reconnaître. Mais de ce que j'ai dit des haïtiens, je vais appliquer. CARICOM campé pour les langues, pour ça. Pour un gouvernement haïtien qui a acheté CARICOM, pas de nous, ça m'a fait déjà. Ça que j'aimerais dire. Amen. Bon, qu'on a pas votre dernier exemple. Qu'est-ce qui est posé pour étranger nos fruits pour développer dans le nord-est, dans le nord? Tout le monde a bien établi l'investissement des services étrangers, mais qui sont pour le fait, que j'en fais. Donc, on mène enquête, demandez pour qui ça, nos voisins, la République dominicaine, l'État haïtien, empêche qu'il y ait un développement sur propre territoire, parce que le voisin dominicain est en fait. Pour qui ça? Vous pensez que c'est comme du raison? Comme quasi. Faut me poser cette question. Ou bien, maintenant. Ça arrive, nous avons des divisions qui viennent, Non. Alors, maintenant. Qui est même République dominicaine, je veux dire. Ok, à tout dominicain. Oui. Oui, bien sûr. Surtout quand les Dominicains ressemblent aussi des Pétiens de ressemblent. Maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes bande décomplexés. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Je n'ai aujourd'hui là, au bon point, qui est fatigué, qui nous crée à toute humiliation, ça va, tout avilissement, ça va. Et qui a lancé un message depuis longtemps que je voulais prendre des scènes en main. Mais c'est la grande question qu'il faut se poser. Est-ce qu'elle décide enfin son pays? Est-ce qu'elle décide de comprendre son pays? Non. Est-ce qu'elle décide de mettre Campéon l'État pour défendre ça? Bon, moi, réaction à ça, M. Sokar. Le président Abinader menace les fermes frontières, mais nos conférences qui baillent à frontières, on peut faire quoi avec ça? Il dit que il parle assouplir position, mais situation pas besoin de même gens. Tout ça pour le faire en réaction à canal la construction, il parle dévier, il va renouveler opérationnel le premier canal qui est là déjà pour faire plus fort loin passer la caillou de préférence en façon pour que paysans yo pas joindre suffisamment d'eau quand ceci dans le canal dans l'hiver massacre. Ça m'a beau ça. Est-ce qu'on pense de ça au même? Et puis réaction à Isida de gagner par rapport à annonce ça, dit annonce. Rendel, depuis le 19e siècle, la communauté internationale, à l'époque de l'Angleterre, l'Espagne, la France, jusqu'à ce que l'Amérique rentre dans ce plan, bon choix qui fait qu'au niveau de l'île, partenaire privilégié, c'est la République dominicaine. Et politiciens haïtiens encouragent le comportement ça. Parce que la plupart des tentatives d'investissement que des haïtiens joignent de la part d'étrangers, vous avez une fait, ça a eu les investissements directs ici. En voit rien, politiciens haïtiens ont demandé 10%, 15%, 20%. Et à ce moment-là, combien? La sauce est. Excusez-moi, pas d'une finie. Non, c'est 10-15%, 10-15% on dit là. 10-15% politiciens ça a demandé là. C'est pour yo, de vous payer. Pour yo. De façon individuelle. Pour yo. Pour yo. Sinon, pas de projet. Pas de projet. Effectivement, le Sahara, investisseur Sahara, je dis définitivement, politicien haïtien, c'est pas un animal qui a un pays, vraiment, pour la plupart. Il y en a un pays dominant. Maintenant, comme préférence, ça a été dit, il y a une renforcée.
Maintenant, le côté de ça renforcé, c'est qu'il y a une barre. Si vous remarquez que, premièrement, de plus en plus d'ambassades de pays importants, c'est Santo Domingo et établi. Deuxièmement, vous remarquez que même qu'on besoin qu'on départ dans l'avion pour aller, pour payer beaucoup moins cher, c'est le République dominicaine pour aller. Vous remarquez de plus en plus que des masses d'étudiants haïtiens c'est le dominicain. Vous remarquez en d'autres termes que la sécurité de l'île est faite par l'armée et par le service secret dominicain. Et c'est, ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que maintenant, il y a une correspondance entre l'île et son service du allié depuis le début de l'île allié. Côté du allié a manifesté inquiétude du mouvement communiste qui a développé sur l'île. Côté qui lui répondit, déjà d'où pas besoin de fracasser. Sécurité, il lance dans le même milieu. Donc, ce qui signifie que tout ceci, bien manifesté, non pas de plus en plus qu'atterrit pour nous, côté l'île d'Haïti, l'Ogadel, pas du côté à l'ouest encore qui est la République d'Haïti, non? République d'Haïti sous Katsa n'a pas existé encore. Toute l'île, sous Pakoné, appartient à la République dominicaine. Ça veut dire non seulement pour venir un bloc économique côté la République dominicaine, c'est seul productrice, Haïti lui-même est là pour le vendre pour elle et pour le consommer. C'est comme ça que c'est ma partie. Maintenant, si vous-même en tant qu'Haïtien, vous ne comprenez pas ça, et vous ne comprenez pas qu'on y a là, non seulement il faut remarquer le caractère, mais il faut organiser pour retourner au pays. Et pour ça, il faut comprendre ce que l'on pays, il faut comprendre ce que l'on l'État. Nous vivons tellement de barres. Dans les années 30, 45, 60, 70, 80, un politicien haïtien traditionnel, quoi par la mer, pour être soucié pour les présidents, il faut qu'il soit bien vu de Washington. Mais qu'on est à fond bien vu de Santo Domingo. Tout ça. On vient tourner en sous-prétexte par la République dominicaine, comme indiqué par les États-Unis. Et les menaces. Les menaces, déploiement des forces militaires, ce qu'on sait, tu comprends? Bon, naturellement, ben ça reconnaît, moi-même, tout le type de deux photos, c'est que Abinader, que c'est un homme d'affaires et qui paye un politicien professionnel, j'ai l'impression que M. Coyne dans le piège internationaliste dominicain. Parce que ben, elle a commencé par Nelson Mendes. Qui, si à l'époque de Bagay qui a passé là au niveau de la rivière Massacre, soit l'État dominicain vont aussi sur ça. C'est lui-même qui connaît la force de l'État nationaliste dominicain anti-haïtien, dans sa élection, et pas d'une élection. C'est que la peur pour Lionel, par ramasser discours ça, et pas doubler sous droite-lui. Nous sommes des accélérateurs. Et qu'on y a là, nous sommes des montrelles, puis ultra, puis ultra. Est-ce que le bagon est fait, ou le bagon est fait sur les tout? Parce que je dis que jusque-là, ils sont contre-là, ils divisent les politiciens, je dis à la République. Ils divisent les hommes d'affaires, parce que dans tous les politiciens, par côté de politiciens, qui sont d'ailleurs avec les hommes d'affaires. Si on a fait financer campagne, si on a fait pas de cob, je ne peux pas financer campagne. Mais tout ceci, pour amener à quoi? Tout ceci, c'est nous-mêmes haïtiens qui nous connaissons, qui lui a décidé de son pays. Et bien, comment ça va commencer là? Avec ça va passer. Bien, il y a un élan, Christophe, c'est évident. Il y a un élan, c'est magnifique. Mais il ne faut pas répondre à élan. Il faut beaucoup plus que ça pour son pays. Quand tu beaucoup plus que ça, ça veut dire que est-ce que c'est... Il faut que nous définissions qui ça nous voulait.
là, nous dit que nous voulons Haïti son pays. Là, quel type d'économie nous voulons? Là, est-ce qu'on a besoin de leaders? La responsabilité, pas responsabilité en leader seulement, c'est responsabilité de tout. En tant qu'Haïtien, qui ça nous voulait? Qui a bâti l'économie pays, ça? Qui a bâti le système d'éducation pour notre économie? C'est pour ça que c'est pas si tu as peut-être des slogans seulement, non. Il faut mettre tes constats. Ça, pour faire quoi? Quel est le projet? Quelle est la vision? On est pour deux minutes, malheureusement, pour finir. Michel Soukart, oui. Soit pour cette intervention, Premier ministre Ariel Henry, qui est dans le tribunal. Ça existe? Ça existe? La TV, le Premier ministre? Ça ne veut pas. C'est une information. C'est mal prononcé, ou bien. Non, c'est une information. Un bon gouvernement ici. Là, en Haïti. Wendel, il ne faut pas faire pas ici. On nous respecte. Ce peuple est seul. Il se défend seul. Il se bat seul. Il est seul pour avoir un pays. Après, ça s'annoue les baronnets d'Aïs en haut. Pourquoi les gens ont massacré mon café? Il y a des autorités dans la police. C'est soit les gens ont passé comme nous. Ah bon? Vous gouvernement ici? Vous dites que j'ai plus de baguette de répondre à la question par rapport à maintenant Sabine Adéryo. Qu'est-ce que ça pourrait être tout à fait face à maintenant Sabine Adéryo? Sabine Adéryo, qu'on est obligé d'ouvrir son tiers. Parce que pour faire l'élection, on dit oui, pour que toute police soit unité, forme d'affaires financières. Mais pas besoin de prendre l'argent en poche pour dépenser nos politiques, c'est vrai. La politique, c'est comme le commerce, ça se fait avec l'argent des autres. Est-ce que ça veut dire que. Pas pour des jours, il doit déjà, dans deux à trois semaines, il part tout ce qui est. Il doit lire. Il dit que, il n'y a pas besoin de même jouer encore, je continue. Il n'y a pas quand même jouer encore parce qu'il doit que, il y a un pile pourcentage dans le budget de la santé publique, République dominicaine, qui dépensait, dans aider un pile son haïtienne, les unes prennent soin. En République dominicaine. Mais en réalité, que Abinader n'y a pas qu'à changer. C'est ça le poète et romancier haïtien René Philippe Tête, le peuple des terres mêlées, le peuple de la frontière. Faut qu'on vive sous frontière pour en réalité ça. Le peuple de la frontière dominicain haïtien, en tout soyons en train de pouvoir vivre. C'est l'État, c'est les politiciens. Qui bien souvent a créé des problèmes. C'est vrai? Mais lors du ce ne sera plus la même chose là, alors monsieur a dit que ça allait être mal. Qui ça l'entend? Et bien vous êtes ici? Vous connaissez, là il y a un pays en bambou. Et ça c'est le dédié, là il y a un bambou qui a donné en 2014 là. Si tu as dit que vous avez produit dans le pays ça, mais c'était une occasion rêvée. Pour te produire des bagages que l'habitude est importée, même si nous n'avons pas fait tout, nous n'avons pas fait un peu. Nous pas fait. Nous sommes dans le propre du Dominique, nous vivons une liste. Qu'est-ce que nous devons faire par rapport à la menace de déviation? Comment on vit vraiment ça? Qu'est-ce que nous devons faire même? Continuer le travail, construction de la vie. Même je fais, mais nous ne faisons même plus. Vraiment de ça, oui. Est-ce que nous-mêmes, elle décide d'ouvrir? Est-ce que les réponses à l'histoire n'ont pas loué? C'est une hypocrisie tout dans ces fermes frontières. Fermes frontières qui vont. Ils ont fait même côté officiel. Et tout pour ne pas faire le contrôle de ces militaires dominicains contre les lois. Ils ont fait même. Donc vous pensez qu'il y a une hypocrisie dans la question? Ah, mais normalement, quand des maps jouent, depuis longtemps, tout le monde sait que les contrebandiers dominicains et haïtiens s'entendent pour passer les produits dominicains. C'est un papier et doigt. Ok, mais maintenant, comment pourvoir aux besoins des habitants de la frontière? Pas seulement des habitants de la frontière, des habitants des haïtiens tout court. Pour ça, formons l'État, ta réflexion politique agricole, ta réflexion politique économique. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on bâtit un pays. Il faut commencer par convaincre qu'on ne peut pas bâtir et qu'il faut les bâtir. Vous avez des gens qui dit, oh, ça va une occasion pour nous faire agriculture pâle, pour du pâle. Oui, mais ce n'est pas du jour au lendemain que ça se fait. Même depuis 1994, vous n'avez pas des signaux d'information avant l'ouverture de la commission. Depuis 1994, ça fait 30 ans, je dis à Haïti, il faut nous réfléchir à la commission de Dominique et non plus pour Haïti.
La bourgeoisie dominicaine veut la conquête de l'île. Vive le fait d'Haïti, une province commerciale dominicaine. Depuis 30 ans, Mabdi l'avait ici, à chaque fois. Mais il arrive que l'État ici est un État traître, dirigé par des traîtres, et que ici, pas de bourgeoisie qui a produit, ou de bourgeoisie de monde qui est sous contrôle, payé à son contrôle, les bouillots. Le 194-94, je dis mettre un embargo sur Haïti. Si ce n'est pas ton bon terrain qui était dans le pays, c'est ça qui t'a passé. Vous t'avez profité d'un bagou pour commencer à produire ce pas de produit. Et bien, qu'est-ce qui est arrivé? Les Dominicains, ils ont profité de ça, ils ont commencé à envahir nos abodio. Et on joint des mondes haïtiens qui étaient dans la sous-traitance, à cause d'un bagou qui était d'une édition, qui quittait tout local qui était gagné. Dans la société, ça a transformé le dépôt de produits dominicains. C'est depuis la femme moins d'un géa. Il dit si ça continue comme ça, on a tourné chien et nous a eu. On a tourné vrai sur le bouillon. Oui. On dit qu'on va insister en pile. Le dominicain, dans deux ou trois semaines, décidé de réouvrir au Congo, de réouvrir les postes officiels. Comment nous-mêmes en Haïti, nous avons réagi? Tout autant, c'est peut-être plus dirigeant ou à bien travailler. C'est pas ici, on est changé la roue pour pouvoir, non? Ils sont pouvoir. Quel que soit, prendre. Mais le bac à fond, bac au départ. Quel que soit, je voulais prendre, prendre. C'est pas des élections. Vous parlez contre pour un monde Wendel. Vous voulez changer le pays ou prendre pouvoir ou changer. Point final. Merci, un peu. Je ne sais pas. Non, vous devez dire ça, je ne sais pas. Vous pouvez vous acheter des bons. Oui. Parce que nous ne pas prendre des bons bois à faire un d'avoué. Nous ne voulons que après de ouvrir le corps. Pour ces blocs à mine, je sais pour faire. Ça a consistant de bien ça. Ok? Donc, vendredi, samedi, école des frères de Pétionville, de 9h à 4h, prière, c'est 2000 gouttes. Et après l'autre côté, tu as disponible pour eux. Nous répétons samedi. Peuple haïtien, vous voulez changer de pays ou pas couper le monde qui a vingt d'eau, fait ceci ou fait cela, quel que soit le monde. Organisez le pouvoir. Continuez. Pas de l'occuper le monde qui a vingt d'eau, oui. Pour par élection, à chaque fois, ils vont la donne, sont mal propriétés que vous avez. Ou vivre les bouquets d'où ils organisent pour un pouvoir, point final, quel que soit son pouvoir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Michel Soukart, l'invité de ce mercredi. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.